Yo yo yo, c'est la Team S3. Et aujourd'hui, on vous pose des questions. Bon, aujourd'hui, on est à Châtelet, on va poser des questions sur le foot. Bon, vous avez juste à me suivre, let's go. Ok, tu viens d'où, frérot? Bagneux. On est ensemble, tous les gars du 9-2. Ok, mon gars, tu t'appelles comment? Bounty. Bounty? Oui. C'est original, ça. Bounty, le chocolat. on a de coco. Bon, c'est sucré, tout ça. Ok, ouais. Tu viens d'où? De Louvre, du 95. Ok, lourd. Louvre. Non, pas marrant, ok. Bah, vas-y, présente-toi, dis ce que tu fais dans la vie, tout ça. Bah, dis tout, des vidéos sur Insta, TikTok, etc. Ah ouais, tu fais quoi comme vidéo? Comédie, musique aussi, je chante. Magnifique. Et ancien footeur, entre guillemets. Je fais artiste, du coup, je chante, je fais de la prod et aussi de la vidéo et de la danse. Est-ce que tu t'y connais un petit peu en football? Très vaguement. Ouais. J'ai des amis qui regardent le foot, moi je regarde que pendant l'Euro, mais sinon, ouais, c'est pas trop ça. Okay. Qu'est-ce que t'en penses de l'arrivée de CR7 à Manchester United? Parce que là, je vois t'as un mot Chelsea en plus. CR7, c'est Cristiano Ronaldo. C'est ça. Où? À Manchester United. Moi je l'ai connu qu'au Real Madrid, je l'ai pas connu à Manchester. Okay. Et après il est revenu parce que c'était son premier club, je crois. Ouais, je suis pas sûr. Ouais. En tout cas, Ronaldo il est chez lui. Ouais, il est retourné chez lui à Manchester. Donc je pense qu'il va mieux s'intégrer que Messi. C'est toi qui sonne. Ouais, c'est moi. C'est... Tu vois encore ce qui s'est passé avec Messi, je suis un peu plus basé dessus, tu vois. Okay. Mais Ronaldo là, pour le coup, je connais pas trop, pas tu du vois. Tout. Ouais, il était pas là avant. Non, il était à la Juventus. Avant, il était au Real. Après, il est parti à la Juve. Et là, il vient de faire son transfert. C'est bizarre, c'est une grosse équipe. Ils ont récupéré un sacré défenseur central, Varane. C'est beau, hein. C'est beau. C'est beau pour le foot, en fait. Parce qu'il a commencé là-bas, il a gagné son premier Ballon d'Or, il a remporté sa première Champions League. Donc, c'est magnifique. C'est la boucle qui est bouclée. CR7. Je supporte CR7. Ah, t'es pour CR7? Ben oui. Ok. C'est la base. J'aime bien. Tu t'y connais un peu ou pas du tout? Ouais, quand même. Je connais les équipes de mes origines. Okay. Après, franchement, Cristiano Ronaldo, je le connais via mes cousins. Mmh. Je sais qu'il l'aime beaucoup. Il était à Manchester. Oui. Et là, il est revenu à Manchester. Ah. Qu'est-ce que t'en penses? Ronaldo, ça reste Ronaldo. Hein. 35 buts par saison, hein. Ça reste Ronaldo. Non, non, mais CR7, ça reste CR7. C'est vrai. Il est arrivé, il a claqué un doublé déjà. Je vois que t'as un haut de Juventus. Est-ce que ça te fait mal un peu qu'il soit parti ou... Non, moi je suis pas pour la Juve. T'es pas pour la Juve, ouais, c'est pour le flow. Et est-ce que tu penses cette année il va être meilleur buteur de la Première Ligue? Non. C'est-à-dire quoi, Première Ligue? Tu vois, il y a le championnat français avec PSG, Marseille, etc. Ah, et là-bas, il y a Chelsea, Manchester, Manchester City, enfin voilà quoi. Ouais, comme il a fait en Italie, il est parti du Real, il a fait. Je sais pas, peut-être Lukaku qui va. Ouais, Lukaku, De Bruyne, il y a du monde, mais. Là, la question va te faire plaisir. Qu'est-ce que t'en penses de Messi au PSG? Oh là ouais. J'étais pas prêt, je reçois un coup de fil de mon pote. Ouais, Messi il est à Paris. Je fais, ouais, tu mens toi, c'est bon. Tu sais la photo de Messi là qu'il a mis sur Instagram? Je fais, non, c'est pas possible, j'y croyais pas. Il s'y séparait, même moi j'étais choqué. C'est incroyable, Messi au PSG, c'est incroyable. C'est beau, hein? C'est beau, hein, franchement, c'est beau. Hein. Bah, je pense que c'est une bonne chose pour Paris, mais bon, pour le Barça, c'est quand même. Bah, moi je sais que mon copain il soutient beaucoup le Barça et il est dégoûté. Donc, donc voilà, donc j'ai les deux points de vue. Déjà, l'entrée de Messi au stade, frérot, c'est incroyable, frère. Moi, je le préférais au Barça, même si je suis content qu'il soit venu au PSG, ici, en France. Et moi, j'aurais préféré qu'il commence au Barça et qu'il finisse au Barça, en vrai. Que penses-tu de l'arrivée de Messi au PSG? C'est cool. Parce que j'aime pas Messi du tout. Non, Messi c'est pas mon joueur. Ah, le gars il est mort. Il est pas comme CR7. Ah, il est pas comme CR7, il est aussi. Je vais acheter son maillot là bientôt. Ah, tu l'as pas déjà acheté? Ah, mon gars, j'ai acheté Sergio Ramos. Moi je l'ai déjà, moi. J'ai acheté Sergio Ramos. Et alors pour toi, cette année qui a fait le meilleur mercato? Ah, c'est PSG, hein. PSG direct. Messi, Mbappé, Neymar. En étant objectif, ouais. Je vais te dire Paris aussi, parce que Messi, Neymar, Mbappé, je sais pas qui c'est qui a ça en Europe pour le moment. Ouais. Mais regarde, l'équipe de France, il y avait Griezmann, Benzema, Mbappé, c'était pas terrible. Ouais. Manchester City, je m'attendais à mieux, mais le petit Greenwich là de West Ham, je crois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, il est pas mauvais. Ouais. Il est pas mauvais. Un sacré numéro 7, milieu, un bon milieu. Quelle est la meilleure attaque? Attaquant? Ouais, qui est le meilleur attaquant? Cristiano Ronaldo? Bah voilà. Ah ouais. Bah, je dirais Mbappé parce que niveau vitesse, il peut surpasser pas mal de joueurs quand même. Très bien, je connais pas le niveau de tous les joueurs, donc je pourrais pas te faire... Que penses-tu de Mbappé, oui, de sa décision de rester cette année et peut-être de repartir au Real? Que penses-tu de tout ça? Bah, honnêtement... Fais ce qu'il veut. Oui, voilà. Est-ce que Benzema est le meilleur neuf de l'histoire? Le meilleur neuf? Ouais.
Non. En tout cas, il a fait un très bon retour et ce numéro 9-là, il peut être l'un des meilleurs numéro 9 du monde, quoi. Pour moi, il a sa place en équipe de France depuis longtemps. Là, maintenant, ils ont compris qu'il fallait le mettre en équipe de France. Un peu sous-côté, je trouve quand même Benzema. Je trouve qu'on le compare à des gens en disant qu'il est moins bon, mais c'est un très très bon joueur, mais c'est pas le meilleur 9. Tu penses qu'il est au-dessus de Lewandowski? Non. Moi, je le kiffe. Benzema, je l'aime. Chauffe-toi. Attends, on va le filmer en 4K, ça va être... Oh là 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 là, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Allez, Didou. Ça glisse, commence à pleuvoir. Ah, désolé, oula. Ça va, ouais, ça glisse, attention. Allez, celui-là, tu le réussis, celui-là, tu le réussis. Oh là 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 là. Et encore, il a l'air fort soi. Oh là 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 là. Oh! T'es ma, regardez la semelle, oui. T'as joué, Didou, franchement. T'as joué. Archi chaud. T'inquiète, non, juste viens, un jour, tu sais quoi? Vas-y. Je t'ai proposé. Oula. Allez, salut. Là, c'est carré. Frérot. Merci beaucoup. C'est allez suivre sur Insta, on aura tout mis là. Voilà, Didou officiel. Hein. Merci mon gars. Coupe du monde 22. Avec Bounty, on sera là. Coupe du monde 22. Du coup, mon Insta c'est Dinavich, DINA.VICH. Suivez-la sur les réseaux, une artiste, vraiment donnez-lui de la force. Je te souhaite le meilleur. Ouais, bon, la vidéo c'est quelle S3 Freestyle. S3 Freestyle. Ouais, à la base on fait du freestyle foot. Bagger. Ok. Yo yo yo. C'était la team S3. On espère que vous avez kiffé cette vidéo. Big up à toutes les personnes qui ont répondu à nos questions. C'était un nouveau format. JMK, la journée c'était comment? Bon, il y a des gens qui connaissent le football. On a d'autres un peu moins, mais voilà, ça va, wow. Franchement. Moi, c'était intéressant de voir l'avis de tout le monde. Vraiment, vraiment, je voulais un avis global. J'espère que vous avez kiffé. Et... vous allez voir un petit pont que j'ai pris, ça date de 3 ans. Parce que là, derrière la caméra, il se réjouit là. Non mais comme quoi c'est important, non, on se prend toujours des petits ponts, même moi j'ai pris un petit pont, si vous voulez je le mets là, comme ça, ça, voilà. On avance. Big up aux petits des Olympiades, voilà. Ouais. On se prend des petits ponts tout le temps, faut le savoir. Ouais. N'hésitez pas, venez nous voir, faisons des petits ponts, peut-être vous allez mettre, peut-être pas, en tout cas voilà. D'ici là la recette n'a pas changé, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout abonne-toi.